On me demande souvent à l'endroit où est-ce que je travaille. Alors avec la météo, on peut se douter que je suis à Québec. Ici, à Notre-Dame-des-Laurentides. Venez avec moi, je vais vous faire découvrir le resto. Donc on commence par un dépanneur. Ensuite, il y a un Subway. C'est pour ça que dans des vidéos, on voit à l'arrière-plan des affiches de Subway. Juste à côté de Salvatori, il y a un Subway ici. Et nous arrivons au Salvatori. Il a été rénové il y a vraiment pas longtemps. Pour sûr que je rentre dans le restaurant, je vais mettre un filet. Ici, c'est où est-ce qu'on prend les commandes avec toute la station. Ensuite, ici, la station où est-ce qu'on fait les pizzas avec les sachets de farine, qu'on fait la farine à chaque matin. On reçoit les commandes sur l'écran ici. C'est les condiments. Les pépéronniers, fromage. Et ici, il y a l'entrée du four. On met les pizzas et ça sort de l'autre côté, puis on va voir tantôt. Ici, c'est le gros malaxeur où est-ce qu'on fait les pizzas chaque matin, bien entendu. On a la plonge, la magique plonge, avec les bacs où est-ce qu'on met les pizzas. Les portes à pizza. Ensuite, le frigo. Et ça m'a congé la porte. Ici, on a les dons, les livreurs, les poissons, les sacs de livraison, le congèle pour la station poutine avec les trois friteuses, le comptoir de la sortie du four avec toutes les sauces. Vraiment, le comptoir des poutines, ces sauces-là, ici, on met les sauces à poutine. L'ouverture n'est pas encore préparée, donc il n'y a pas encore les sauces. Il y a toute l'histoire des trois générations. Et finalement, la grande salle, avec toutes les promotions qu'il peut avoir le midi et les promotions de Subway aussi. On voit dans mes TikTok. Alors, voici l'endroit que je travaille.